ne suis pas sponsorisé, mais je devrais l'être. Tout a commencé la première fois que j'ai goûté, je sais plus chez qui c'était, le riz fait par cuiseur comme ça, je sais pas comment on appelle ça, rice cooker. Et quand j'ai déménagé, je me suis dit que j'allais me prendre un rice cooker. Là j'ai déménagé, donc je prends un rice cooker. Alors, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que quand je fais du riz, le riz c'est quand même la base de l'alimentation du sportif. Bon, c'est un peu cliché, mais je suis pas obligé d'en manger en réalité, mais c'est quand même bien pratique et c'est quand même méga bon. Et je le fais à, en général, le riz, moi je le fais comme des pâtes. Je mets de l'eau, je fais cuire le riz dedans 10 minutes et je le sors. Je le fais pas, tu sais, il y a des gens qui laissent tremper dans l'eau le riz pour enlever l'amidon, exactement. Moi je trouve ça très bon avec l'amidon, donc je laisse l'amidon, je vois pas l'intérêt d'enlever. Donc je fais ça comme des pâtes, après je mets dans la passoire et je mange mon riz. C'est tout à fait honnête comme riz, ça donne un bon goût. Perso, je suis très riz-taille, riz basmati, faut pas voir, non je peux pas. Tout ce qui est riz trop dur, à grains trop dur, je déteste. Moi j'aime bien quand c'est un peu gluant, collant. Je sais que c'est pas tout le monde en France qui aime ça, mais moi je suis un fan de riz un peu gluant. Et alors, quand je vais dans un resto asiatique, le riz un petit peu gluant. Et une fois, du coup, quand on m'a fait goûter le riz tout juste sorti d'un rice cooker, j'ai eu une révélation. Alors pour ceux qui sont asiatiques et qui mangent ça depuis qu'ils sont enfants, pardonnez-moi de dénaturer le truc parce que pour vous c'est la base. Mais moi quand j'ai découvert le riz sorti d'un rice cooker, c'était une révélation transcendantale. C'est tellement bon. Alors bon. Alors, ça change rien au programme, ça. Hein. C'est juste une question de confort. Parce que le riz est délicieux. Mais l'idée, c'est que ton riz sera délicieux, quoi. Donc, quand il y a du riz dans le programme, la moitié de ce que tu vas manger, ça va être trop bon. Donc, pourquoi s'en priver? Sécher, c'est pas forcément... sans plaisir. Ah d'accord, on a compris. Place and hold. A few moments later. Ça a sonné. 0-0. Oh, oh la petite vapeur. Oh là là. Oh, qu'est-ce qui... Oh là là. Oh là là, regarde. Oh, regardez. Il est moelleux, il est vapeureux. Oh là là, quelle dinguerie.
Qui dit que le sécher, ça va pas être délicieux. Attends, attendez quand même un petit peu avant de le manger, parce qu'il sort très très chaud le riz. Très très chaud. Ouh. Ouais, dinguerie. Dinguerie. Franchement. C'est validé. Ah, quelle tuerie. Voilà, on adorait se couper un peu. Donc, c'est un bon plaisir.